Groupama a cette chance d'avoir ce magnifique domaine de Cobasey, qui est assez exceptionnel parce qu'avoir à la fois 2000 hectares d'un seul tenant, entre une même main, sans être encoupé par les routes, etc., avec cette particularité aussi de partir à peu près de 1200 mètres d'altitude et en allant jusqu'au Madre à 2004 et plus, bon déjà, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est une chance. Donc il faut protéger les espèces locales, même celles qu'on ne chasse pas, et je pense aux tétras, etc. Et puis et surtout, il faut mettre le domaine à disposition des jeunes. Moi, je me suis aperçu, on a une crise en France qui n'est pas locale ici, dans les Pyrénées orientales, évidemment, et pas plus que sur le domaine de Cobasey, mais où on manque de jeunes. Il semblerait que ça revienne. Alors, il y a toujours aujourd'hui, je pense, une déperdition par le nombre d'anciens qui disparaissent tout simplement. Il y a plus de jeunes qui viennent à la chasse, mais le delta n'est pas encore retourné. Bon. Mais si on ne donne pas la possibilité aux jeunes de venir, les anciens sur place n'en aperçoivent pas. Ils sont coupés entre eux, sur la commune, sur le canton. Je ne dis pas qu'ils sont trop fermés, encore que, mais ils ont de la difficulté à s'ouvrir. Donc il faut forcer la chose. Et moi tout seul, je ne peux pas. Qui mieux que la Fédération des chasseurs peut m'aider à ça? En plus, les gens du brevet Grand Gibier viennent et disent « Ouais, vous avez raison et tout ». Et eux ont donné le nom d'école de chasse. Je trouve ça bien aussi. C'est-à-dire d'ouvrir à des jeunes méritants par leur premier permis ou autre, ou parce qu'ils ont réussi parfaitement au brevet Grand Gibier, et de les accompagner dans un domaine où il n'y a que des animaux totalement sauvages, difficiles, il y a de la pente, ça se mérite, et où on ne part pas en disant « je vais tirer sur ce que je vois parce que j'ai trois bagues dans ma poche ». Non. Ils partent avec des gens qui vont leur apprendre l'éthique de la chasse, leur faire découvrir bien d'autres choses, et leur dire on est parti par exemple pour prélever une femelle de mouflon. J'ai mis des bracelets de femelles de mouflon parce que c'est pas facile à approcher. Tirer un isard, c'est plus facile. Qu'une biche, c'est peut-être meilleur à consommer, encore que le mouflon est excellent et a une mauvaise réputation stupide. Il faut dire aussi ça. Voilà. Et donc, ils vont aller à tel endroit et. Ça, c'est vraiment la chasse, quoi. Ils y vont avec un but bien précis et ils vont faire un tir le plus propre possible, prélever un animal, le redescendre et exploiter la venaison. Voilà un petit peu l'idée et surtout donc d'ouvrir. Et je suis prêt, je l'ai dit, à ce qu'il y ait des gens qui soient, je ne sais pas, moi, un jeune qui est à Perpignan, etc. Il découvre, ça lui plaît, et bien je lui donnerai sa chance parce qu'il ne faut pas qu'il... Ce n'est pas une fois en chasse qu'on a découvert. Essayez de lui dire, eh bien voilà, vous avez une carte pour accompagner les battues l'année prochaine, etc. ou autre. Et s'il veut devenir un chasseur après permanent, voilà, en plus on a un droit de chasse à un prix très très bas par rapport au plan de chasse qu'on offre, etc. D'où vient cette passion? Je suis d'un caractère passionné. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je suis venu à la chasse parce que c'est dans les gènes. Ça ne peut pas être autrement parce que je n'ai pas connu mon grand-père qui était chasseur. Mon père n'a pas chassé, si ce n'est peut-être un peu pendant l'occupation pour manger un petit lapin de temps en temps. Mes frères ne chassent pas. Et moi, j'ai eu ça. Voilà, à 16 ans, j'avais mon permis. J'avais trouvé un vieux fusil trop petit pour moi. J'avais cousu une vieille paire de gants au fond d'une veste pour que ça amortisse un peu. Et voilà. Et puis, la nature. J'aime énormément la nature. Quand j'étais jeune, j'étais un fou d'ornithologie. Ça, c'est dans la peau. Aujourd'hui, pour Groupama, je fais des milliers de kilomètres. Je me balade dans tout l'arc méditerranéen. Mais quand j'arrive à la maison, ce que je suis, c'est dehors avec mes chiens, dans mes vignobles, etc. Et puis, j'aime bien être utile, quoi, si vous voulez. Après, ça, c'est dans l'esprit. C'est pour ça que je suis président de Groupama Méditerranée. Mais c'est de faire des choses qui sont durables. Voilà, d'entraîner les autres, mais en synergie, comme cette convention. Ça, je trouve ça admirable, parce que, comme je l'ai dit, à un moment donné, je suis peut-être un élément fédérateur, mais c'est la fédération qui va pouvoir être active et servir de relais. Tout seul, je ne ferai rien. Groupama, pourquoi Groupama s'intéresse autant à la nature, à la chasse? Groupama, ça a un peu plus de 100 ans. C'est le rassemblement de plein de petites sociétés d'assurance locales organisées par les agriculteurs, ça vient du monde agricole, qui créent leur assurance pour se défendre de l'incendie, qui créent celle pour se défendre des aléas de la vie, hein, le décès de quelqu'un, une espèce de... Après, il y avait un petit peu comme des confréries de soutien. Quand il y a un type, il y a un problème, et ben voilà, on se regroupe pour l'aider. Et puis, ça c'est au fil des années et sur un siècle,
ça portait pas ce nom-là, c'était les assurances mutuelles agricoles, etc. C'est devenu Groupama, mais même si aujourd'hui ça représente l'agriculture qu'un tiers du chiffre d'affaires et qu'on est partout présent et sur tous les dossiers, nous sommes restés mutualistes. Aujourd'hui, il y a 9 régions, les 9 présidents de région sont de souche agricole, hein, et c'est nous sommes les patrons de ce groupe, donc on a ces valeurs qui restent. Alors, fort de ça, pour répondre à votre question, on est issu du monde agricole. Dans le temps, l'agriculteur était touche-sasseur, ou presque, bien sûr, je sais, tout ça a changé. Mais nous, on reste là-dessus. Et le domaine de Cobasé, sa valeur, c'est à la fois son exposition, ce que je disais tout à l'heure, c'est le nombre d'espèces animales qui sont présentes, c'est la biodiversité, et puis... pour moi, ça reste un endroit un petit peu magique où on peut réunir les gens dans la convivialité, faire des connaissances. À Cobasé, moi, ce que je veux, j'appelle ça l'esprit Cobasé, c'est de retrouver un grand patron d'entreprise avec quelqu'un de local qui va venir faire son tour. Ils seront ensemble à table, à la chasse, etc. Tout le monde se parle, tout le monde échange, ça c'est bien. On n'est pas une chasse financée pour gagner de l'argent, pas du tout. On a les cartes sont à moins de 200 euros. Donc c'est pas du tout une question de rentabilité. C'est presque un devoir, si vous voulez, Groupama, en tant qu'entreprise de territoire, parce que nous sommes sur les territoires, et donc ce domaine, on a les moyens de l'entretenir, d'essayer de le protéger, de protéger les espèces endémiques. On le fait pour les gens ici. Sur le terrain, on ne cherche aucune espèce de rentabilité. Et il est évident que, moi, quand je dis ça, je me suis tourné immédiatement vers la Fédération des chasseurs, parce que nous, on met à disposition, mais l'élément moteur qui va pouvoir approvisionner, qui va sélectionner les jeunes, c'est la Fédération. Nous, on se chargera uniquement d'ouvrir les portes et de les faire accompagner par nos meilleurs.